Salut à tous, c'est Maxken, donc on se retrouve pour le Let's Play Medieval 2, épisode 10 ou 11, je sais plus. Dans le dernier épisode, on avait été sauvé notre appelons ça une bien-aimée, hein, Kia, en allant dégommer Jack l'Éventreur. Et du coup, on s'était recroisé avec le nous du passé qui arrivait un poil trop tard. Les deux corps ont fusionné pour donner une armure en or. Donc qui permet d'être un peu plus costaud. Sinon j'ai fait un petit tour, j'ai refait un petit tour vite fait pour aller récupérer des potions de vie. Car le prochain niveau va être plutôt coton. Sinon on a débloqué la Gatling, la grosse arme de barbare. Donc elle va être très utile pour les prochains, enfin pour le prochain niveau, car si je ne dis pas de bêtises, c'est le dernier avant le boss final. Donc on va tout de suite aller voir ça. Les flèches de la cathédrale. Là. Non, je ne sauvegarde pas. Alors, vous allez voir, l'ambiance est vraiment très sympa. Et le niveau de mémoire est assez compliqué. Voilà ce qui nous attend. Tu vas nous dire quoi, l'ami? La 4-4, son pouvoir démoniaque de toutes ses âmes emprisonnées. Tu dois les libérer si tu veux que nous sortions d'ici. Si tu rencontres le receleur, n'oublie pas de recharger ta super armure. Vous allez voir combien il propose le receleur pour la réparer. C'est juste un vrai escroc. Alors là, ça doit être un bouclier, j'imagine. Nickel, j'en avais plus. Alors, donc oui, on a des âmes à libérer, c'est les espèces de petits anges que vous avez vus, je sais pas si vous avez vu, le temps de voir. De toute façon, il y en a une douzaine à récupérer. Ah bah tiens, je vais le recevoir. Donc la petite potion, je me la garde, hein, je suis full vie. Alors, regardez-nous cet escroc. Ah, on peut réparer le bouclier en or. Pour réparer la super armure, donc, du coup, c'est en 5 fois quand elle est vide. Ça nous coûterait 750, si je dis pas de conneries. Ce qui est relativement énorme. On peut le faire que deux fois. Et Kebal de Gatling, c'est pas énorme, ça va encore. Donc la Gatling est plutôt une bonne chose. Hein. Les munitions sont pas extrêmement coûteuses. Et ça dépote pas mal. Tu descends? Ok, on fait appuyer sur la flèche du... de gauche. Bon, on va continuer, on va essayer de trouver les petits anges. Hein. Vous avez vu, hein, l'ambiance est vraiment sympa, ça fait vraiment apocalyptique. On a un récupéré, reste 11. Ok, donc c'est pas mal. Là, je sais qu'on va avoir des petits emmerdes. Voilà, pratique pour dégommer les gargouilles qui s'envolent comme ça. Et ici, de mémoire, on a un espèce de puits. Voilà, qui nous, je sais pas, c'est de la lave ou je sais pas trop quoi. Vous avez vu, l'armure prend les dégâts à notre place, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez me dire, elle est là pour. Hein. Putain, merde. Ah non. Ouais, c'est toi que je voulais choper tout à l'heure. Là, je kiffe cette arme. Franchement, c'est le pied. Par contre, ce serait bien que tu montes à... Nickel. Non, ah, ça peut... Nickel, c'est bon. Vilaine marmite. Tiens, dégage. Ah, c'est cool, il nous refile aussi d'autres boucliers.
Bah perso, j'aurais préféré que le bouclier en or ait la même forme que le bouclier en d'argent. Parce que elle est stylée, je trouve, le bouclier d'argent. Enfin, la forme, du moins, ça fait un comme un écusson. Enfin, un écu. Un écu, voilà, j'ai du mal. Faut pas se casser la gueule. On l'a juste défoncé. Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est après que ça va se compliquer. C'est à l'intérieur de la cathédrale, ça va être un peu compliqué. Merde. Ah, j'ai plus d'armure. De toute façon, je vais pas tarder à aller la recharger dès que je vais pouvoir. Ah oui, alors pendant que j'ai été récupérer les fioles de vie, j'ai fait le deuxième niveau pour les récupérer. J'ai fait... Donc je suis allé dans... Une fois être rentré dans le musée, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des toutes petites plateformes de saut, des espèces de plantes à escalader. Je me suis cassé la gueule et je suis mort. Donc j'ai pas fait une grosse chute, mais ça m'a tué. Alors est-ce que l'armure... Est-ce que l'armure nous rend plus lourd et donc, entre guillemets, plus sensible aux dégâts de chute? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis mort. Bon, il y avait quand même pas mal de potions, enfin de fontaines de vie, donc c'était pas très très grave en soi. Donc vous voyez là, il n'y a pas de calice qui se remplit, hein, de toute façon, là. Ouais, hop, crève. Bon, plutôt bon début de partie, hein. C'est plutôt un bon début de partie, mais c'est plus la partie intérieure qui me fait peur. Donc là, ça en fait encore 8. Je sais pas s'il y en a encore à l'extérieur. On est juste mis cher, les enfoirés. Ah, j'aime bien l'épée. L'épée est assez sympa aussi. Elle a une bonne portée. Je dirais qu'elle tape relativement fort. J'économise un peu ma gatling parce que eux ils sont à notre hauteur, donc bon, on peut se les faire comme ça. C'est fermé. Donc bah écoutez, on va continuer, hein. On va continuer notre aventure, genre L. Je vais changer d'arme. Bah, je vais me prendre l'arbalète en feu, on l'a pas du tout utilisé. Vu que là on a plus de... What, encore un. Je sais pas si je suis en train de tirer dessus, mais... Bah, faut regarder par rapport à son regard. Ouais, donc... Ah, attendez, on l'avait ciblé, là. Ouais. Je sais même pas si je la touche. Ah, je l'ai touché un petit peu, j'ai pas dû la toucher tant que ça. Ah, là elle est morte. Ah, quoi qu'attendez, il y en a encore une. Détends-toi. Ah oui, ce qui est cool, c'est qu'il y en a qui prennent feu avec ça. Ah, ça c'est nickel. Ouais, je savais pas si on allait avoir une espèce de chaudron de lave. Putain, il a du mal lui. Alors, on va aller par là. Je pense qu'on a un ange qui doit être planqué quelque part. Et comme il les faut tous. Ah, nickel, vous avez vu? On a une potion de vie. Mais pourquoi tu t'es cassé? Pourquoi t'as pas pris l'échelle, pauvre con? Ah, putain, il est... Ah, ça, j'aime pas dans le jeu. C'est qu'il... Je sais pas, des fois, il prend pas les échelles. T'as créé, fais pas chier. Voilà. Je crois qu'on en a niqué un. Bon, je prends même pas la peine d'esquiver. Bon, on va aller par là. Bah écoutez, je prends pas la peine d'esquiver, on a une fontaine de vie. J'en cherchais pas, mais bon, je crache pas dessus non plus.
Ouais, c'est bien, ça éclaire. Le receleur. Ouais, je vais réparer ça. Voilà. Ça descend vite, hein. Ça fait relativement mal de se ravitailler avec lui. Alors. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on a par là? Ok, on revient ici. Eh bah, un mal pour un bien, au final, de tomber, parce que j'aurais zappé la fontaine. J'aurais pas pu recharger l'armure, en plus. C'est pas trop grave. Bah, écoutez, on va aller par là, on n'y a pas été. Par contre... Ouah, ça, c'est du cul. Ça, j'ai vraiment eu un gros coup de bol. Oui, je voulais faire le tour, voir où est-ce que ramener l'échelle qu'on avait pris tout à l'heure. Pour voir s'il y a quand même pas un autre ange. Je sais toujours pas comment faire pour passer en vue. J'ai l'impression qu'il y a une bestiole là. J'espère qu'il n'y a pas un autre ange. On va vite fait checker. Alors. On va dire qu'il n'y en a pas. Hein. On va être optimiste. Et on va partir donc pour la suite. La descente. Ouais, vous allez voir la descente, j'ai juste me cassé la gueule comme une grosse merde. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Là, je vais sauvegarder, je vais pas jouer au con. Je vais pas jouer avec les sauvegardes, donc émulateur. On va se la faire classique, là. Ah, le dernier coup. Ah ouais, non, le dernier coup que j'ai sauvegardé, c'est juste après avoir été... ou avant de faire les... la récup de vie. Okay. Donc là vous voyez par exemple encore un magnifique saut à faire. Et j'ai pas craqué. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai des petits lags. Oula. Donc on en a fait la moitié. J'espère que j'en ai pas zappé dehors. Mais pourquoi t'es tombé, sérieux quoi. Alors, faut qu'on retourne en haut forcément. Ça porte bien son nom la descente hein. What, c'est quoi ce lag? N'empêche il fait vraiment... What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, je ne touche pas à la manette, hein, je précise. Je ne touche absolument pas à la manette. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une relance du jeu. Je vais relancer le jeu parce que là, clairement, il bug. Là, il se met en position défensive alors que je n'appuie sur aucune touche. Et avec les lags, c'est pas évident. Donc je vais relancer le jeu hein, parce que clairement là je sais pas ce qui se passe. Et on se retrouve tout de suite. Donc on se reprend un petit peu plus haut pour le coup. Car j'ai relancé le jeu et tout. Et rien à faire. Enfin elle était toujours accroupie avec le bouclier en avant. Et pour sauter je sais pas. Fallait que j'appuie sur les touches R1 L1. J'ai pas trop compris. Alors est-ce que c'est lié au bug quand on est tombé? Je sais pas. Mais bon du coup bah on va repartir de là, heureusement on n'avait pas fait grand chose donc c'est pas trop grave en soi. Je pense qu'il a pas aimé le fait qu'on se casse la gueule ici. Voilà, donc c'est pas grave, on repart d'ici, de toute façon on n'a pas... On n'avait pas fait grand... on avait quasiment rien fait. La caméra se place mal, comment voulez-vous réussir à sauter correctement. Caméra en mousse encore ça. Bon. Alors ça va être le verdict. C'est là que je suis mort. Tout à l'heure oui. Mais il saute pas. Il ne saute pas.
Ce sera bien que tu sautes, hein, parce qu'on est pas dans la merde sinon. Je vais pas niquer toutes mes popos comme ça. Mon dieu. Porte bien son nom ce niveau là, la descente. Bon, allez, on refait un test. Hein. Ah, tu vois, quand tu veux, tu peux sauter. Bon, encore 5. Ah, nickel, je suis d'accord. Ouais, donc va falloir repasser par en haut. Enfin, repasser. Voilà. Pour qu'il finisse son chemin et fasse demi-tour. Donc on a 2-3 petites arbalètes en bas à dégommer. Ah, tout à l'heure, j'ai... Oh, bah tant pis. J'ai oublié de recharger ma gatline. J'ai rechargé la mûre mais pas la gatline. Ah, j'ai un peu craqué là. Tant pis, bah on va faire 100. De toute façon, on a plus le choix. T'as mal? Ouais. Bon. Alors, on a quoi à part là? Encore d'autres armures? Oh, oui, on a... J'aime bien cette attaque avec l'épée là, tournée, ça. Si je fais ça. Ouais. C'est pas spécialement costaud. Allez, il dégage. Bon, on a quoi par là? Hop. On a un ange avec des bestioles à dégommer visiblement. Ah ouais. Waouh, c'est quoi ça? Waouh. Ça fait un peu penser aux chiens dans le deuxième niveau. Les espèces de chiens momifiés là. Balance des rayons. Enfin, appelons ça un rayon laser. Hein, je vois pas comment on peut appeler ça. Et deviennent invisibles. Enfin. Pas invisible mais transparent pendant le G. Voilà quoi, il devient transparent pendant qu'il tire. Oh bah j'en oublie un, tiens. Tiens, regarde. Hop. Fais tomber ton bouclier pour voir, tu vois, c'est drôle. Voilà. C'était une blague, c'était pas drôle pour toi. Là on a quoi? On a un ange ici. Et encore des saloperies de plateforme. Et des saloperies d'armure en bas. Ouais bah je vais faire ça avant. Oh notre ami le receleur. Alors, service. Oula, je suis tombé mon clavier. Ça on peut recharger un peu. Voilà. Ça on peut en reprendre un. Approvisionnement. Arbalète, on va en. Et ça aussi. Voilà. Du coup. Ouais, j'avais pas vu qu'on pouvait aller jusqu'à 1000 en munitions. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous fait ça? Ok, il y avait juste le receleur dans le coin. Ouais. On va voir si on peut aller plus haut avec le. Ah bah oui. Tu ne tombes pas, hein. Promis. Oh, quel connard. Bon, au moins, on meurt pas de dégâts de chute. On prend un peu de dégâts, mais on meurt pas. Alors, si j'attends d'être trop au bord, il va pas sauter. Mais quel connard. Enfin, je vais attendre d'être au bord, mais il va pas sauter. Ce que j'ai fait tout à l'heure pour les anges, je m'aurais fait un gros doigt, ce serait revenu au même. Voilà. C'est bien ce que je disais, il ne saute même pas. On va essayer le boost, enfin le... Pas le boost, mais le... quand il se met à foncer avec le bouclier là. Mais je crois qu'on peut... Bah non, ça... Il saute, bordel. Ah. Ah, les sauts dans ce jeu sont casse-couilles. Surtout sur ces petites plateformes de merde là. Ah, je serais pas étonné qu'on n'ait qu'une fiole de vie. Hein. Il saute pas. Si j'attends d'être bien au bord pour bah justement pour pas me gaufrer, il saute même pas.
Ouais, non, mais c'est bon. Hein. Bon. Tu vas arrêter de faire chier. Ouais, là, je veux bien, mais ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'on peut monter plus haut? Non, on peut pas monter plus haut. Il y a encore une phase de saut qui nous attend dans la pièce qu'on vient de visiter tout à l'heure. Enfin, juste avant. Non, parce que si je voyais, si je fais le triangle, il peut pas sauter. Il charge et il saute pas. Bon, bah écoutez, on va niquer le nombre de fioles de vie, mais de toute façon, ça va en avoir besoin. On n'a pas le choix. Écoutez, on va. Hein? Si vraiment je galère, je fais une ellipse et je vous remontre après. Mais ça m'embête un peu de faire une ellipse sur un pauvre saut. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bah vas-y, de toute façon j'avais quasiment plus de vie, hein, je m'en fous. Bon. Allez. Un de moins. Il est où l'autre? Il est là. Nickel. Alors, on a quoi par là? Est-ce qu'on peut sauter sur ces plateformes à partir d'ici? On a une porte en bas, j'irai après. Est-ce que ça va nous rapprocher? On va attendre un petit peu. Je crois qu'on a encore des bestioles en hauteur. Ok, donc quand on est là-bas, on est au plus proche de l'échelle. Ah non, c'est pas les bestioles, c'est les... C'est les armures en fer qu'on entend. Non, sérieux, tu peux pas me dire que tu peux pas choper l'échelle, là? Oh mec, ça... Oh alors, sérieusement. Oh là là, cette phase de saut va me... Va me casser les couilles, mais comme il faut. Il y a des chances que je coupe l'épisode en deux. Hein. Je vais pas vous le cacher. Là, on est déjà à 13. On est fait 13 minutes tout à l'heure. 36. 23 minutes à peu près. Mais sprint, bordel de merde! Oh la vache! Cette phase de saut va me faire chier, mais. Va me faire chier des cactus. Donc on a un ange là-haut. On va essayer d'aller récupérer si monsieur veut bien se donner la peine, parce que c'est pas gagné, comme vous pouvez le voir. Quoi qu'attendez, je me fais. Bah non, je suis obligé de passer par là. Bon. Crève. Bon, toi, tu vas pas nous faire chier. Ok, alors ça, j'imagine que si ça nous touche, ça nous fait du mal. Et j'espère juste que ça va pas nous éjecter. C'est moi où il y a un trou là. Ok, il y a aussi un trou. Donc on a trois anges ici. Donc on va essayer de pas tomber, de préférence. Trois, il va n'en rester qu'un. Bon. Ah nickel. Alors, je vais attendre que lui revienne. Je sais pas si ça fait du. Si ça blesse, hein, honnêtement, je. Je vais pas faire le test. Ça pousse, ça blesse pas, ça pousse. Ah l'enculé! Non! Putain le bâtard! Non, non, là j'étais dessus, sérieux quoi, faut arrêter. Hein. En plus ça m'a niqué une potion de vie. Non, je suis pas d'accord, j'étais bien dessus. Putain. Oh, c'est vraiment des bâtards, sérieusement. Ah, ils sont putes sur les sauts.
Ah, oh, c'est vraiment des chiens là-dessus. Putain. Bon, tu vas pas tomber, hein. Non, j'aurais dû y aller avant. Bon, on va prendre notre temps. Tu prends un peu de temps, ça, c'est pas grave. Nickel. Prends-moi ce putain d'ange. Merci. Ouh. Bon, on va aller en bas. Hop. Allez, je vais défoncer ça. Au final, les armures sont pas spécialement dures à avoir. Enfin, à tuer. Elle est où l'autre? Elle est là. Meurs. Voilà. Oh. Le dernier ange et même une potion de vie. Bon bah écoutez. Deux potions de vie hein, quand même dans le niveau. Hein. Vous allez me dire avec tout ce que j'ai perdu rien qu'en saut, je pense que c'est plus ou moins mérité. Ok, je sais, je suis une bonne grosse quiche au saut, mais bon. Au final, tout à l'heure, le bug avec le saut, donc, à un moment, j'étais sur la plateforme et je sais pas, je suis atterri en bas. J'ai rechargé la partie avant, donc même pas avec la sauvegarde de l'émulateur, hein, directement avec la sauvegarde du jeu. Donc du coup, j'ai récupéré la vie à ce propos-là. Tu crèves, toi? Voilà. On a quoi ici? Oh, de la vie. Oui, je prends, je prends, je prends. Faudra que j'aille faire réparer mon armure, mais non, j'ai pas assez de thunes. Alors, c'est quoi ça? Il me semble qu'il faut mettre ce truc là. Ok, on va aller par là. J'ai vu la petite main. Oula. Ça sent l'énigme tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, il nous manquerait un pignon en or. Ce que j'ai vu tout à l'heure, 1 sur 2. Et si j'utilise la main, est-ce qu'il y a un endroit pour la main ici? Non. Je pense qu'on a zappé quelque chose. Mais je ne vois pas où. On va regarder. On va remonter par là. Ouais, là, je vous avoue, ce niveau-là, je le connais pour plus que ça. Je le connais, mais de loin. Parce que là, est-ce qu'on a tout checké? Avec deux pièces, de toute façon. Avec ça. Donc là, c'était le... Ça, voilà. Il y avait un ange. Bon, si on refait le tour... Non, il n'y a rien. Non, non, bah j'ai dû zapper un truc là-bas. De l'autre côté, en face, je pense pas. Non, bah ça doit être là. Y a pas une autre porte ici? On va regarder. Peut-être dans la salle d'où je viens, au final. Non, c'est bon. Je l'ai exploré à la va-vite. Voilà. Tout simplement. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Bon alors, on a quoi du coup? Donc la salle est de nouveau à l'endroit. Donc bah écoutez, on va continuer. Encore une salle à l'envers. Et là par contre, j'ai pas le choix, je vais reprendre la petite main. Il me faut filer dans le trou. Allez, saute. Ah! Pas trop les phases de saut avec elle parce qu'elle est assez elle saute un peu bizarrement. Ah bah voilà le pignon qui nous manquait. Oh,
J'en demandais pas tant, mais je te remercie. Tu me facilites grandement la vie. Non, je peux pas. Bah écoutez, on va revenir à la salle principale. Je sais pas du tout à combien de minutes d'épisode on est. 36. Ah ouais, ça va être un bon épisode quand même. Hop là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la fin du jeu après tout. Faut le mettre ailleurs le pignon? Ah, peut-être par ici, oui. Il me semble qu'on peut en mettre un ici. Non. Je sais pas à quoi il sert ce levier. Il me semblait que c'était ici qu'il fallait mettre. Peut-être dans cette salle-là. Bon, je saute parce que j'arrive pas à prendre la caméra de première personne. Non, c'est pas ici, ok. Ça craint un peu, ça. Oh, est-ce qu'il faut que je remette la... la salle en position... Bah non, en position originale, ça. C'est pas ici que ça se met, ça. Et là? Bah non. Bah écoutez, on va faire tourner la salle, on verra bien ce que ça donne. Bon alors, t'as quelle tronche toi maintenant? Pas tellement mieux, hein. Ok. Il doit y avoir plusieurs sens. Bah écoutez, ce que je vous propose, je pense que je vais couper l'épisode ici. Je vais reprendre juste après, mais je vais faire en deux fois parce que de mémoire la fin est dans pas longtemps. Donc je vais couper ici et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour la fin du jeu. Hein. Tant pis si ça dépassera un peu niveau temps. Mais là j'irai directement jusqu'à la fin. Donc bah j'espère que l'épisode vous aura plu, puis bah on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut salut.